Jean Castex s'est donc exprimé hier soir pour annoncer la levée progressive des restrictions. Le premier ministre confirme la rentrée scolaire lundi avec un protocole sévère. Une classe sera fermée dès qu'un de ses élèves est contaminé. Et pour ce qui est de la suite, le gouvernement fait preuve de beaucoup de retenue et d'interdiction. L'exécutif entr'ouvre la porte pour ne pas devoir la refermer aussitôt. Avec une situation sanitaire qui s'améliore, le Premier ministre fait sauter deux verrous. L'école avec le retour des élèves en maternelle et en primaire lundi et le 3 mai la fin de la limitation de déplacement. Mais pour le reste, le gouvernement garde le pied sur le frein. Certes, les commerces, activités culturelles, sportives et terrasses pourraient rouvrir autour de la mi-mai, mais s'agit-il du 13 juste avant le week-end de l'ascension, du 15 mai ou bien du 17, ça va venir bientôt répondre à Matignon, si on veut que les citoyens restent vigilants, on ne peut pas envoyer 50 000 messages. Pourtant, s'il y en a bien un que les Français attendent, c'est celui du couvre-feu. Là aussi, le gouvernement marche sur la pointe des pieds. Il sera maintenu jusqu'à nouvel ordre, affirme le Premier ministre, qui renvoie une fois de plus à la mi-mai. Nous verrons où en sera la situation épidémique. Sera-t-il territorialisé Pourquoi pas, confie son entourage, qui insiste sur l'efficacité du couvre-feu. Ce n'est pas la mesure qu'on lâchera en premier. Hélène Terzian. On en parlait hier et vous entendiez à cette heure-ci l'appel du président du groupe Printemps. Les commerçants appelaient le gouvernement à pouvoir rouvrir au plus tard le 10 mai. Ils n'ont pas du tout été entendus.